Teacher Lesti passé, eh bien, Teacher Lesti, professeur anglais PIA, docteur Panouan is back pour la plus belle. Pour le venir mettre précision sur tout le monde, quel que soit niveau anglais. Are you sure, Mazura? Yes, sir. Tout le monde, brachez Teacher Lesti English Time sur Storm TV, chaîne de chaque mardi et jeudi, 3h, 4h après-midi. Même Jean Blanc qu'on fait l'autre bord, avec sur Internet là. Très pratique pour tout le monde qui besoin qu'on parle anglais très bien avec 7 aspects. Usuel, technique, commercial, biblique et théologie. Et puis, pas oublier, anglais américain et britannique, oui, en pointisson. Teach, speak to the world. No sweat on bang. The world for English for sure and the world for the world for winning sure and for good. Mes amis, pas de fake là, non? André le teach, non. 34 99 70 70 34 99 70 70 Teacher Lesti, c'est seul professeur anglais. L'État ici était médaillé en or et en argent à toute l'école OEA pendant l'archive nationale d'Haïti. T'as fait en 2012 et c'est l'ico original là. You know what I'm saying, baby? OEA, Lesti English Academy, la référence de l'anglais parlé en Haïti. Niveau d'anglais national et international, doté de la méthode d'anglais américain et britannique la plus pratique pour commencer à parler anglais dès le tout premier jour de classe. Vous voulez devenir maître de cérémonie, animateur et présentateur de radio-télé, publiciste et publicitaire, phonéticien et phonologue, professeur d'anglais à tous les niveaux, interprète et traducteur, sélectionné OEA. La sélection la plus intelligente du moment et pour toujours, dirigée par Teach Olesti, docteur en phonétique anglaise qui se passe de présentation en Haïti. Dans OEA, Teach Olesti pas prend blanc pour parler anglais pour lui. C'est lui blanc tête. Parce que le connaît un directeur à l'école anglaise doit être capable de parler et enseigner anglais correctement. Teacher Lesti trompe même blanc américain en la langue anglaise qui c'est propre langue. On font titander pour nous si c'est menti. Teach, prove it. I'm sorry, ma'am. Prove the Haitian population what I'm saying, please. No problem. Oh yeah, all these English academies are spoken English reference in Haiti. Number 4 Avenue, Martin Luther King, Delma, 28 B, Delma. At a few steps from the viaduct of the Upper Crossroads, and I'm on the wrong side of my teaching English 20 year experience for well, and guarantee speak English your money back. Il dit, pas de problème. OEA, c'est référence anglais parlé en Haïti, qui chita kol, nan numéro 4, Avenue Martin Luther King, Delma, 28 B. Tout près où t'en l'a dans le cafou aéroport. Elle dit qu'il y a plus que 20 ans depuis qu'elle a enseigné anglais et garanti li bay nan OEA. Depuis ou pas parler anglais, la promet tout tout kop ou te bay la à tout kop déplacement yo. Contact 34 99 70 70 34 99 70 70. Once a fresh good afternoon. Hi, hello, and welcome today. Once a fresh, today is Thursday. Welcome to Teacher Lesti English Time, your favorite English broadcast. Broadcast every Tuesday and Thursday at this time from 3 to 4. So, Teacher Lesti English Time, your favorite English broadcast once a fresh. From Teach Olesti, your favorite professor, your favorite English professor. And of course, not only Haiti's professor, but the world, the whole world professor. So, Teach Olesti English Time with you every Tuesday and Thursdays, as I've just said it. So, Teach Olesti, English Time, votre émission, your favorite show, your favorite show, your votre émission préférée pour là, et commencer. Entrer la carrière encore jeudi une fois de plus. Nous sommes jeudi. Donc, chaque jeudi, vendredi, à partir de 7h, 3h. Donc, début, il fait 3h, bang. Donc, vous êtes branchés. On est branchés. La radio Téléstorm, 106.5, la chaîne 2, respectivement. Donc, Teacher Lesti English Time. Nous saluons tout le monde, nous disons bonjour, bonsoir, salut à tout le monde qui branche l'émission. Hein. Et ceci, quel que soit côté, quel que soit côté en Haïti, quoi à l'étranger, quel que soit anti-côté. Parce que normalement, d'habitude, nous toujours dit ça, sous pas gain temps de ça, à 3 heures pour brancher, l'après-midi, ça peut arriver ou empêcher, ou pas gain possibilité à du tout, à 3 heures pour brancher, mais le soir, de pour entrer ou mettre un nec
taper teach all this English time et puis on gagne toutes les leçons. Donc je dis en là ça fait 28e leçon bien entendu, mais c'est Jean Okondia son spécial pratique n'a bien je dis spécial pratique hein, très très spécial n'a bien je dis là. Donc nous connaissons ça déjà, même le c'est spécial pratique, il y a rien normalement affiché sur l'écran. Donc alors pour ceux qui normalement regardent l'émission bien entendu, parce que c'est à la fois sur la radio et sur la télé. Maintenant pour monde qui toujours branché Captain Deo, pour vous qui écoutez la radio, me connait toujours appeler pour nous hein, terme expression. Donc c'est ce qu'on va faire là aujourd'hui. M'a banou quelque bail très très pratique. Me connait joindre là et comme lacune l'émission a fait. On a pas prendre ensemble. Nous saluons tout le monde en particulier tout le monde qui dans radio Télestorm qui branché cap suivre. Staffoya également et puis tout super branché. Ça veut dire moun ki avec nous depuis le commencement, nous t'ai commencé depuis 2 octobre, moun ki avec nous depuis 2 octobre jusqu'à présent, félicitations en majuscule et au pluriel également hein, bien entendu sans nul doute. Félicitations à vous d'être toujours branché et n'a saluer tout le monde tout qui fait branché ou branché Teach All This English Time, sous fait brancher l'émission, c'est Teach All This English Time, et puis l'émission s'est passée sous Radio Telestorm, 106.5 c'est fréquence radio, et puis chaîne 2 c'est chaîne télévision. Donc chaque mardi, jeudi, dans le ça, depuis il fait 3 heures branché, et puis 4 heures, 3 heures, 4 heures, et puis ou bien anglais. Maintenant, c'est un cours d'anglais basé sur le programme de doctorat en anglais qui gagne cet aspect. Donc c'est sur l'île basé. Nous saluons spécialement Zamité les Noumadiens qui t'a fait 25 ans aux États-Unis. Nous saluons parce que nous avons branché. Et félicitations tout pour ça, Jessou. Ça fait un plaisir. Parce que il y a des gens qui va t'appeler du tout. Qui va t'appeler du tout. Pas dim. Est-ce qu'on va pas dire tout en anglais parce que. Et puis bon, ou pas show off tout, bien entendu, ça fait un plaisir. Parce que c'est et le mbal anglais avant, vin balanglais avec. Au départ, l'oreille n'a pas de parler anglais, pas de créole. C'est très, très bien. Et ça veut dire sagesse. Donc, ça fait un plaisir. Je me retrouve maintenant où c'est ça qui fait me féliciter. Parce que moi-même, tout, je suis pile sagesse. Et dans ce sens-là, si je vais côté, ou pas contre teacher les déjà, ou pas contre teacher les contre parler anglais, ou pas contre si je parle anglais, pendant que parler créole, ou bien pendant que parler français, ou pas connaître parce que je parle anglais, je parle créole, je parle créole. On pas attendre m'a pas les créoles pour m'a dit so but well etc. et still etc. Donc ça fait un plaisir. Donc m'a pas l'anglais. OK. Donc me salue très spécialement mon ami, c'est très très bien et c'est sûr que on va prendre en pile de teach honesty English time parce que j'ai te dit mon fait 25 ans aux États-Unis, c'est très très bien. Ça fait un plaisir, c'est sûr que on va au full vocabulaire, certes, c'est même gentil, grand pile américain, bon américain, quel que soit couleur et joli, de race pure, qui pas parle anglais bien. Pour cela, dit bien, je veux dire qui ça, bien, je veux dire grammaticalement, stylistiquement, syntaxiquement. C'est ça, je veux dire. Ça veut dire grand pile américain qui pas parle anglais bien. Ok? Donc, depuis ça, américain qui a dit me to you to me, the mini, the you to, il pas parle anglais bien. Ok? Parce que ça y a expression ça y a formule ça y a tout grammaire pas qu'on est, ok. Donc depuis c'est américain qui a dit I got pour I have, yo pas parle anglais bien, ok. Donc il y a une différence entre parler une langue avec aisance, avec facilité, et parler une langue bien ou très bien. Donc si m'a parlé la musique, I got a cell phone, baka teach baka dit teacher c'est pas anglais bien. I got a microphone, non. I got a board, non. Baka parle anglais bien. I got a book, non. I got money, non. Anglais ça yo, grammaire pas connait parce que got c'est pas un verbe, ok. Donc got c'est une expression. Alors bon, une expression bien entendu, parce que une expression c'est pas seulement plusieurs termes, plusieurs mots sont expression. Donc sont expression utilisées seulement dans langage et courant familier. Mais à teach all this English time, on ne vous enseigne pas seulement, donc on ne peut pas vous enseigner seulement l'anglais. L'anglais de rue, non. Ce qu'on appelle l'argot, hein, c'est ça, c'est ce qu'on appelle en anglais slang. Ça signifie argot. Nous pas enseigner ça seulement. Nous enseignons tout net. Mais moi-même, ça m'a dit, m'a pas dit. Exemple, ou pas de teacher parler pour dire I gotta go, m'a pas dit.
même si aux États-Unis me dit même tant des blancs dit tant des haïtiens dit dans des autres nations dit qui aux États-Unis même moi me pas dit parce que généralement alors on dit principalement il y a deux types de langage, il y a le langage courant, il y a le langage professionnel. Donc ça veut dire le langage professionnel c'est pour les professeurs d'anglais. Alors, ils ont professeurs d'anglais pas qu'à gagner n'importe à utiliser n'importe expression, n'importe prononciation tout. OK? C'est ça que fait on professeur d'anglais pas de même langage avec un étudiant. OK? Donc on étudiant quand on étudiant dit au contraire m'a s'il dit m'a corriger I got money, m'a dit c'est bien. C'est bien, je te comprends. I understand you. But what you say is not grammatical. It's not formal. It's informal English. OK? Donc, Jean Storm, Radio Télé-Storm, classique. C'est comme ça tout. N'a bon anglais qui est classique. Donc, c'est tout à fait honnête qui est classique. Hein? L'anglais ici à Radio Télé-Storm est classique. Radio Télé-Storm également est classique. Ingénieur Balbito classique dans radio, ingénieur Max classique dans réalisation. Donc c'est tout net donc c'est tout ça qui a passé dans radio télévision qui est classique parce que l'on papa haïtien font petit, c'est sûr que il haïtien tout même elle te fait dans quelque chose appelé haïtien. Donc pour nous font une méditation m'a banoni même mais pas aujourd'hui parce que je dis c'est spécial pratique comme je l'ai dit tantôt m'a banon numéro de téléphone Jésus. Par contre, si nous connaissons le numéro de téléphone Jésus, donc qu'on dit Jésus, qu'on dit Dieu, qu'on dit Seigneur, qu'on dit Éternel, c'est même bagage là. Qu'on dit Yahweh, c'est même bagage là. Donc, par contre, si nous avons le numéro de téléphone, je vais vous faire une méditation sur lui. Et puis, je vais vous faire une anglais. Mais le numéro de téléphone l'Éternel, c'est Jérémie 33, verset 3. OK? Jérémie 33, verset 3. Et c'est le numéro de téléphone, éternel. Hein? Jérémie 33, verset 3. Donc, je ne vais pas rien de lui, sauf en anglais, pour dire Jérémie, ou dit Jeremiah. Jeremiah, c'est Jérémie. Donc, Jérémie 33, verset 3. Et c'est le numéro de téléphone, l'éternel. Même genre, numéro de téléphone, Teacher Lesson English Time, c'est 34-90-70-72-42-90-76. C'est même Jean-Tout, numéro de téléphone l'éternel, c'est Jérémie 33, verset 3. Ok? Après ça, alors bien entendu, il y a des gens qui ont dit, mais comment faire ça en Saint Testament? Pour ceux qui ont dit, pas dans Saint Testament, gros erreur. Ok? Parce que si vous ne connaissez pas dans Saint Testament, c'est ce que au pape connaît, grand pile bagarre au pape connaît. Et sous pas quoi dans l'Ancien Testament. OK? Parce que c'est l'Ancien Testament qui boudou la terre était informé vide. Donc, sous parle dans Genèse 1, pour qu'on ait dans verset 1, dit la terre était informé vide. Ou pas comprendre, et ça que la terre était informé vide. OK? Donc, la terre était informé vide. Ou attendez, mais pas comprendre. Hein? Qui ça que la terre était informé vide? En passant, ça nous pas pris de souli. C'est moi-même avant. La terre était informe et vide. Ça veut dire, et dans Genèse 1. Eh bien, qui est la terre, c'est une parabole, parce que la Bible est parabolique. La terre est informée vide, c'est moi-même avant. Dans Genèse 1, nous pouvons être forme. Et nous, la terre, oui. Donc, nous, c'est terre, nous pouvons retourner dans la terre encore, c'est ça la Bible dit. Donc, la terre est informée vide, c'est moi-même avant, qui n'est pas de forme. Nous parlons de forme qui est bonne dans Genèse 2. Donc, dans Genèse 2, verset 7, c'est le, ça. Et nous parlons de forme, nous parlons de forme, nous parlons de forme, nous parlons de nous semblable avec Jean le dit dans Genèse 1. Donc, c'est de ça nous venons de forme. Et vide là, ça veut dire. Eh bien, vide là, son parabole qui veut dire qui ça? Qui veut dire que sans, ou pas de souffle, c'est l'elfine formé, et puis qu'on y a là, il vient souffler, souffle de vie en dedans, ça veut dire Zouéa, il souffle là-dedans. Donc, c'est ça que fait la Bible dit, et l'homme de vin. Une âme, une version biblique qui est âme, qui est un être, et puis vivant, ou bien une âme vivante. Donc, dans la Bible, je dis aux gens de là, la Bible est parabolique, âme signifie, tout côté âme dans la Bible, âme, ça veut dire âme en créole, âme signifie personne, ok? Donc, attention, bien entendu, c'est ça que fait Dieu pas personne, ok? Donc, Dieu en trois personnes, ça n'existe pas. Dieu en une seule personne. Bon, couramment, pour mon accompagnement, on a dit au moins Dieu en une seule personne. Mais bien entendu, Dieu pas personne. Ok?
Donc ça veut dire faire bah Dieu l'Éternel 100% homme 100% Dieu ça n'existe pas puis nous dit c'est nous qu'on dit donc a dit 50% homme 50% Dieu parce que on monde qui 100% homme par forme boy raison d'abord même nous pas autorité on monde qui 100% Dieu t'a 100% homme 100% homme j'ai dit qui ça et bien il tape premièrement il tape biologique ça ça veut dire et puis maman il tape grand maman Dieu pas grand maman Dieu pas grand maman. Donc et ta première bagage ta grand maman et maman existait avant petite pas vrai maman existait avant parce que c'est lui même qui qui poto dans matrice ça dit l'existait maman existait avant petite pourtant Jésus qui c'est Dieu t'est existé avant Marie qui bok dit ça Genèse 1 verset 3 que la lumière soit et la lumière fut donc lumière veut dire Jésus nous connaissons ça déjà donc synonyme Jésus dans Bible c'est lumière ou bien parole donc ok n'a pas été là parce que m'a venir nous dit à pas spécial pratique là c'est Bible seulement tu viens faire et rapidement qu'on y a là donc senti beau c'est d'après me bon numéro téléphone l'Éternel dans Saint Testament c'est deux numéros gain même genre teacher les English gain deux numéros 34 99 70 70 42 99 76 76 c'est même genre tout l'Éternel gain deux numéros téléphone dans Saint Testament numéro téléphone sous la loi numéro téléphone c'était Jérémie 33 verset 4 Jérémie 33 verset 3 et l'aime dit sous la loi ça veut dire c'est pour qu'à comprendre nous dans Saint Testament numéro toujours là OK Jérémie 33 verset 3 c'est même genre l'autre Timon et ta côté timoun et ta côté pour qu'à comprendre l'aime tes timoun ou bien nous toutes les tes timoun ou bien bébé qu'on y a nous venir adulte ou passer dans étape et adolescence et puis ou venir dans étape adulte là donc ça veut dire et c'est même nous même dans cas hein ta comme moi même c'est même moi même qui t'ai gagné 1 an qui t'ai gagné 2 mois 3 mois qui là c'est toujours l'esti donc ça veut dire et puis gano rejeter ancien testament sauf que nous pas sous la loi encore nous sous la grâce bien entendu nous toujours sous loi oui, loi morale mais pas loi cérémonielle nous comme ça cérémonielle qui dérivé de cérémonie qui signifie fête déjà OK maintenant numéro téléphone l'Éternel dans l'ancien testament c'était Jérémie 33 verset 3 dans le nouveau testament c'est Philippiens 4 6 Philippiens 4 6 verset 6 c'est ça c'est deux numéros lien tout même j'ai teacher les English donc ça montre que teacher les English time c'est une émission spirituelle hein à 100% biblique à 100% OK mystérieuse également parce que la Bible est mystérieuse la Bible n'est pas mystique n'est pas magique mais la Bible est mystérieuse Dieu est un mystère on allez rapidement pendant nous préparer la pratique là nous pourrait composer numéro teacher les English time qui c'est 34 90 70 70 42 99 06 76 nous pourrait composer avant nous composer bien entendu en fin dans des ça l'oreille les monde qui parle langue avec moi l'oreille dans téléphone attendez principe bien parce que c'est seulement radio télésom qui fait ça en Haïti à travers cours d'anglais ça émission ça que les teacher les English time qui l'ont fait interaction avec qui pas qui toi faute là. OK. Donc remarquez ça, hein, c'est seulement Radio Télésom qui fait ça. Dans l'émission Gay Parle là et l'orelé, l'interaction ou relé pour font faute, dit pas qui toi faute. Alors dit tree, dit non, c'est pas tree. C'est three. Il faut mettre la langue entre les dents, ensuite on tire la langue. Donc c'est pas tree, c'est three. Le besoin dit trois. C'est seulement teacherless English time en Haïti à la Radio Télésom. L'on dit l'on parle anglais l'on dit I call il dit non c'est pas I call parce que normalement on n'emploie pas on dit pas I call au téléphone mais on dit I'm calling de préférence ça veut dire grammaticalement on n'emploie pas le verbe to call au présent simple mais au présent continu ou présent progressif qu'on dit ça en grammaire OK dans le jargon et grammatical donc c'est seul teacherless English time à la Radio Télésom l'on fait l'offre fait pratique l'offre interaction avec elle et puis qu'on y a l'offre parler anglais et puis on dit l'offre dit par exemple l'offre de where you from et puis on dit I'm from to Jeremy ou bien I'm from et puis il dit non après from ou pas besoin pour la préposition encore I'm from Jeremy I'm from ou bien I'm calling from Kai I'm calling from Jacmel I'm calling from Port-au-Prince I'm calling from Pétionville et seul titre de English time qui faut pas dit type et PV l'offre parler anglais il dit PV parce que l'a dit l'a parlé l'a dit non en zone où mon n'a supposé comprendre c'est ça les communications donc communication pour le possible faut et émetteur là et récepteur là et une comprendre l'autre OK il va communiquer très très bien sans problème tant que j'aime parler là tout à l'heure il s'est comprendre moins peut-être
on dominicain qui a branché là pas comprendre, un espagnol qui a branché pas comprendre, un cubain mexicain etc. ou bien un américain qui pas parler anglais et français créole du tout qui a branché là pas tendi, il pas comprendre. Mais émission ça fait d'abord pour les haïtiens, c'est surtout pour les haïtiens vivant et en Haïti et à travers le monde, dans tout le monde, dans le monde entier. OK, donc ça veut dire c'est sûr que tout haïtien qui branche là, qui a des teachers de English, qui a suivi ou bien kap, alors à la télé ou bien qui a attendu tout à la radio, c'est sûr que nous tous comprenons là. Qu'on parle anglais, qu'on parle français, qu'on parle créole depuis ça ils sont en Haïti ou bien dans n'importe pays où il y a, ou comprennent tout ça m'a dit là net, c'est ça veut dire communication. OK, donc communication bien faite en créole parce que on se comprend, ou comprennent moins, moi comprends nous. OK, et c'est ça qui fait tout pour tout le monde qui a jeune qu'on dit monyo l'anglais, l'expression anglaise c'est fares please. Fares please, ça c'est fait tout le monde est servi. Fares, ça s'écrit F A R E S. F A R E S, F A R E S et puis virgule please. OK, donc depuis please c'est tout, toujours placé l'an dernier à la fin d'une phrase ou d'une expression. Donc please est suivi, est toujours suivi d'une virgule. OK, donc normalement. Alors, fares, please, F-A-R-E-S, fares, et puis virgule, please. OK? Donc, I'm sorry. Please, à la fin d'une phrase, est précédée d'une virgule ou d'une expression. Maintenant, fares, F-A-R-E-S, et puis virgule, please, P-L-E-A-S. Point d'exclamation. Fares, please. Ça signifie tout le monde est servi. Tout le monde joue dans le créole. Donc, pour tout le monde qui a joué, c'est ça qui fait dans l'interaction. Hein? Normalement, quand vous m'appelez, hein? Quand vous m'appelez, ou bien quand vous appelez, normalement, à l'émission, vous exprimez en anglais, eh bien, on s'exprime en anglais, on se parle en anglais. Et si vous ne parlez pas encore anglais, vous vous exprimez en français, eh bien, il n'y a aucun problème, on s'exprime en français. Donc, si vous parlez, vous ne parlez pas français, vous parlez seulement créole, parce qu'il y a des haïtiens, il y a beaucoup d'haïtiens qui ne parlent pas français, qui ne parlent que le créole. Donc, quand vous parlez, leur parlez créole, nous répondons en créole, tout, nous parlez créole. Il n'y a aucun problème, c'est pour tout le monde qui a joué. Je vais vous dire, pour vous dire, teach fait quoi, pour faire émission ça, seulement pour le monde qui compte parler anglais, il n'y a pas de sens. Vous avez gagné raison, vraiment. Donc si moi-même et me parle anglais, me parle français, me parle créole ou même tout c'est normal nous tout pas de même possibilité donc c'est sûr que faut me faire faut tout on joindre pas faire pour monde qui parle anglais seulement ou bien qui parle français seulement ou bien qui parle créole seulement donc on fait pour tout monde net ou il parle anglais on se parle anglais ou il parle français n'a pas en français ou parle créole tout pas de problème. OK, donc c'est seul teacherless English time l'oreille et tout alors qui apprend nous pour pas dire me too en anglais pour pas dire me also et n'a continuer avec contraire là l'opposé le contraire de me also ou bien me too qui c'est tu avais dit moi aussi dans langage courant aux États-Unis tant que j'ai un matériel avant ça se dit vraiment dans la rue aux États-Unis. OK, ça se dit il dit me too me also. Ouais, ça fait le télé, me dit mais est-ce qu'on pas ka di mi also, me dit ou ka di mi also, sauf le ka di parce que pas pareil tout. Mais soit pas l'anglais qui formel, qui classique, qui grammatical, hein, qui classique comme la radio télé Storm, c'est pour ou pas di mi tout, pas di mi also parce que moi même pas qu'on dit. Et l'on monde font souhaiter pas di you too, OK? Donc des bon comment pour dire ou ka di likewise, hein, si on monde font souhaiter dit likewise, pas di you too, OK? Donc c'était sur les English Time seulement à la radio télé Storm en Haïti qui m'entoure pour dire alors l'homme n'a pas la voix ou pas attendez ou dit what non pas dit ça l'homme pas attendez ou pas dit what ou dit sorry sorry donc S O R R Y S O R R Y ça prend deux R li mot ça prononcé so il prononcé ça sorry ou bien sorry ou qu'a dit sorry ou bien sorry sorry c'est la prononciation courante hein et puis sorry c'est la prononciation soutenue donc on dit sorry ou bien sorry. OK, maintenant dépendamment du ton hein c'est le ton pas dit, on dit pas c'est le ton qui fait la chanson mais on dit c'est l'air qui fait la chanson. Maintenant dépendamment du ton hein l'on dit S O R R Y qui signifie pardon les cas signifie également et dit pardon dans sens c'est répéter pour moi les cas signifie tout je vous demande pardon ou bien je vous présente mes excuses au fond l'on leur font blanc en bas qui pas ou bien le font bas qui pas fort plaisir qu'on y a qui ça dit le l'autre dit on bas qui pas fait plaisir les deux oh sorry 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 ça veut dire quoi comme si tu dis forgive me donc sorry forgive me
ça signifie pardonne-moi, pardonnez-moi. Ça c'est l'offre et c'est l'offre en bagay. Ou fait mon nom, ou fait mon nom qui pas bon. Et puis ça pas fait le plaisir, ou qui doit pas t'attendre aussi, ça pas fait, pas fait le bien. Et puis ouais, ça pas fait le bien le déranger. Et pour vous pouvez juste présenter l'excuse, mais c'est pas tout le monde qui a le courage ça pour faire, et monde qui fort qui a fait ça. Monde qui faible là, il a besoin pas acheter figure monde, pas descendre devant monde. Ça c'est monde qui faible, monde qui très fort là, ils font bagay et puis ils reconnaissent l'entour et puis bon ça dérange ou et puis il dit bon excusez me présente excuse moi ça pas fait encore mando pardon. Ça c'est monde qui très très fort qui fait ça, OK, et spirituellement et psychologiquement c'est monde qui très fort qui fait ça, et pas tout le monde qui gagne courage ça pour faire, OK. Donc Janodia, I'm going to my house. C'est seul teacher de English time à la radio télésom qui apprend nous dit, qui apprend nous pour pas dire I'm going to my house. On dit pas I'm going to my house, ça ne se dit pas, c'est pas grammatical. Qu'est-ce qu'on dit? L'op dit je vais chez moi ou dit I'm going home. OK? Donc depuis dit I, on parler de tête ou de la caillou, depuis dit I dans phrase ça, depuis dit I toujours dit home. OK? Depuis dit I toujours dit home. Je vais chez moi, I'm going home. Je suis chez moi, I'm home, ou bien avec la préposition at, I'm at home. Je suis chez moi. OK? Donc c'est seul teacher de English time qui apprend nous. Là oui, j'en sais rien, là pas l'anglais. Là mon Dieu, bah on pas attendre, on va dire répétez pour vous comme je t'avais dit repeat it please. Et puis au capable dire sorry. Sorry, ou dit mon bah pas attendre, sorry. Et comme si me dit répétez pour moi s'il vous plaît. Là on point d'interrogation soit écrit. Mais l'homme font bagarre qui parfois plaisir qui dérange ou pas rendre compte. Et puis me sentir parfois plaisir et puis ou dit ça ou dit ça et puis me dit oh sorry ça il gon point d'exclamation derrière qui signifie et comme si synonyme c'est forgive me, OK, signifie pardonne-moi ou bien pardonnez-moi si on voit la personne en français. OK, c'est seul teacher de English time tout qui apprend nous et leur parlanger par exemple leur il est là n'a parlé et puis me dit where do you live, nous t'apprendre ça et ça signifie qu'on doit habiter L I V E, pas prononcer live, il prononcer live. Live c'est la mauvaise prononciation ou du moins c'est la prononciation enfantine, ça veut dire pour les petits américains, les petits hein, les enfants aux États-Unis. OK, de même que six l'obdi six l'obdi malade sick, he's sick. Non, ça c'est la prononciation enfantine. Ou pas qu'à grand monde pour dire sick, ou pas qu'à grand monde tout pour dire sit down. Non, sit down, parce que IT à partir de 2008 tout côté de pas prononcer A, il est prononcé E. Alors bien entendu et la lettre I hein, la lettre I à partir de 2008 tout côté de pas prononcer A, il est prononcé E. Ça veut dire pigodi sit down et pour dire sit down, sit S I T, ça se prononce sit. Pourtant S E A T ça se prononce sit, S E A T c'est sit, S I T c'est sit, S E T c'est set. Raison, parce que IT prononcé it, E-A-T prononcé it, E-T prononcé et. Comprenez? Exemple, et. Si je mettez N devant et, E-T, la prononcé net, comme dans network, qui signifie réseau. Network, network. OK, comme dans networking class, signifie cybercafé. Donc, c'est seulement Teach Always English Time à la Radio Telestorm qui apprend nous, nous t'apprenons ça déjà dans salutation, de minuit jusqu'à 11h59 du matin, on dit good morning, et le D ne se prononce pas dans good. Donc, c'est, on dit pas good morning, le D ne se prononce pas, on dit good morning. Qui va dire à prononcer, c'est l'homme dit bonsoir. De façon, on dit bonsoir, c'est good afternoon, ou bien good evening. OK, laisse ça dire à prononcer pour qu'à faire liaison. Good afternoon, et puis good evening. C'est seulement Teach Always English Time à la radio Telestorm qui apprend nous, pour pas dire good. C'est pas good, je dis. Good, c'est en créole, et la devise haïtienne. Ça veut dire monnaie, la monnaie haïtienne. Donc, type de monnaie pas noir, il est good en créole, good en français. Donc, en anglais, c'est pas good. Quand on dit en anglais, c'est good, G-O-O-D, ça se prononce good. Et même j'en livre, c'est book. C'est pas book, c'est book. Book, c'est Mike Abrit. OK? Donc, c'est pas book. L-O-O-K, c'est pas look, c'est look. Look. M'a besoin de mon gade, m'a look at me. OK? Look at me. Look at me. Donc, regardez-moi. Ou bien, regardez-moi si je suis la personne. OK? Donc, c'est seulement teach always the English time qui apprenons pour pas dire is, is pas prononcer is ou qu'a dit is, my name is, c'est pas is, c'est is, OK, et puis c'est e a s e qui prononce is, e a s e qui prononce is, OK, ça signifie quoi? Ça signifie as, exemple amarise signifie je suis à l'aise, amarise, I'm at ease.
Et comme je te dis, I'm comfortable. C'est seulement Teacher List English Time à la radio Télésom, émission ça qui apprend nous. Il y a une différence entre la prononciation et l'accent. Et normalement, ce qui est l'ivresse, ça veut dire ça qui est dans le livre, c'est parce qu'on dit quand on parle, c'est différent. OK? Donc, ce n'est pas la même prononciation. C'est Teacher List English Time qui apprend nous pour dire good morning à partir de minuit jusqu'à 11h59. OK, du matin. Et deux façons de dire good afternoon. Il dit bonsoir, c'est good afternoon en premier qui commence à partir de midi jusqu'à ce que il fait noir. OK, ça c'est le fait noir jusqu'à l'obscurité, on dit good afternoon. Maintenant à partir de l'obscurité jusqu'à 8h59, on dit good evening. OK? Maintenant qu'on fait 9h, là ça on passe à saluer monde. Il relie ça des salutations en anglais, on dit ça greetings. Nous apprenons ça ensemble déjà. Donc là à partir de 9h maintenant, on dit pas good evening. Parce que vous parlez à moi, vous parlez à moi dans le téléphone. OK? À partir de 9h, ça c'est les bonnes manières. En anglais, on dit ça good manners. Good manners, ça signifie bonne manière. So, donc, c'est ce qu'on appelle les bonnes manières. Ça fait partie des bonnes manières. À partir de 9h du soir, on n'appelle personne au téléphone. On ne se rend chez personne non plus. OK? Donc, et ça fait à partir de 9h du soir, on dit good night. Il y a l'expression good night. Mais good night, ce n'est pas une salutation. Il y a des gens qui pensent que good night, c'est synonyme. Good evening, qui signifie bonsoir. Non. Good night, c'est comme l'on dit good night, il signifie exactement. Teacher List prend responsabilité ça pour le good night, signifie au revoir, carrément. Donc, good night, le synonyme de good night, l'expression good night, c'est goodbye. OK? Goodbye. Goodbye. Mais on va parler vite et déjà pas sorti. Goodbye. OK? Good night, goodbye. Ou bien bye-bye, ou bien bye. OK? Il dit tout, tada. Donc, Teacher List English Time, c'est seulement Teacher List English Time à la radio Téléstorm qui apprend nous le, par exemple, on prononce H-A-V-E pour dire have, c'est la prononciation américaine, et puis have, la prononciation britannique. C'est seulement Teacher List English Time qui apprend nous le A-G-C-K-D-L, on va prononcer l'IC, il prononce ACK. Exemple, tracker. On ne dit pas tracker, on dit tracker. Donc, tracker n'est pas bon du tout. C'est la mauvaise prononciation. Parce que là, tout a qui est CKD, il va prononcer comme. Il prononce comme A. En entraînant, ou qu'a dit tracker. Tracker. Ok, c'est la prononciation. C'est comme si, et même j'ai tout signé ACK, mettez B devant, m'a prononcé back. Donc, il n'y a pas dit back. Si je ne pas dire que je suis fonti back, je vais dire fonti back. Ok? Si je dis back, go back, come back. Même pas dire come back. Gen gros camion qu'on écrit M A C K. Même le papa l'anglais, ou pas dit make gros camion make, il dit gros camion make. Bien que on connaît, les mon pas l'anglais, pas bon, ils sont traînants là, mais au moins pas dit make. Au moins pas dit make quand même. Un gros camion make. OK, un gros camion make, mais pas dit un gros camion make. Pour celui écrit M A C K, ça se prononce make. Si dit make, là peut l'autre façon make écrit M A K E. Qui signifie faire dans le sens du fabriquer. Pour ce qu'on a d'autres façons différentes encore, principalement en anglais, qui c'est do, do, qui signifie faire dans le sens du rédiger. OK? Donc, 34-99-70-70-42-99-06-76. Si vous avez dit là, vous avez échappé, vous avez bien tout ça, vous n'avez pas prendre là ensemble. Ou avez fait signe, vous avez dit, je vais reprendre ni pour vous. Donc, pas de problème. Ou pas contre parler anglais, ou pas parler français, ou pas contre parler français, ou pourquoi bien, ou pas voulez parler français, ou pas parler créole, aucun problème. OK? Donc, c'est sûr que, je connais un peu le monde, tout, c'est petit créole, je connais un monde qui parle plusieurs langues qui dit, ma langue préférée, c'est le créole. Raison parce que la langue d'un peuple est son âme. Je dis, n'a pas l'école, senti on a bien yo, n'a pas l'école. Donc, 34-99-70-70-42-99-06-76. On connaît ça déjà. OK, Teacher List English Time. Good afternoon. Bonsoir. Hey. Oui, bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on n'a pas bon mon demi-groupe dans le nouvel titre? Eh bien, ça n'a pas dit la pratique. Mais connais, mais j'ai besoin de le dire. Dans l'école là, on m'a donné. Ok, donc la Bible dit quiconque demande reçoit, il n'y a aucun problème, ça va. Puisque ce n'est pas facile d'atteindre, alors bien entendu, ce n'est pas facile pour atteindre l'INA pour vous joindre, pour atteindre Teacher List English Time. Alors, c'est gars doivent garder nous ou bien tu dois attendre?
Ah, c'est Wapgadi, c'est très bien. Wapgadi, pourquoi? Ou bien, ou bien, mon avou? Oui. Ou bien, mon avou? Non. Ah, pourquoi Wapgadi? Oui. Et qui beau, branché nous là même? Qui zone? Nazon. Nazon, très bien. Ça fait plaisir. Oh, on met, oui, à peu près, oui. Ah, mais pas de problème, pas de problème. Mais vous dites non, vous dites est-ce que Mkaba nous demi bourse, est-ce qu'on parle de vous même avec Boubouta? Non, moi même pourquoi. Ah, même pourquoi. Ah, mais pas de problème, pas de problème. Qui compte demande reçoit, ça ne dérange pas, bien que pas de spécial actuellement, mais au moins demi, pas de problème. Vous mettez aller qu'on y a la même souvenir avant 6 heures, parce que n'a fermé à 6 heures. Vous mettez aller qu'on y a même, ou bien si vous n'avez pas de temps. Oh, pas de temps. Nazo, bon, comme pas qu'on est peut-être au cas où. Non, pas de temps, parce que Nala, oui, ma peine. Ok, je comprends, je comprends. Ok, ça qui arrive. Donc, qu'on y a demain matin, si je le veux, à partir de 7h, met aller. Et puis, y a suivi vous, dans le met aller. Et puis, ou à vous réclamer, y a pas où, d'accord? Parce que c'est ça. Oui. C'est sûr, vous m'avez dit, vous m'avez dit. Bon, mais soit fait. Ouais, bagaille en a même, ouais, demain, mais demain. Bagaille en a même. Ça veut oui. dire, ça veut dire pour mon tour, bah, teacher de English, un bagage bluff là-dedans. Ça dit ouais, bagage rien pour m'écrire là. Mais on m'a dit non, et puis au même, je branché actuellement dans l'école là. Il y a plein d'autres, on m'a dit non, il y a plein de non pour noter leur venir et puis pour accorder de mes bouchons leur venir quand même, d'accord? Parce que nous dit qu'avec, nous dit qu'après tu es libre. Ok? On m'a dit non, on m'a dit non. Le nom complet. Caroline. Non, nom complet à Caroline. Oh, sorry. En tout cas, sur cette île, ou bien t'entendez, c'est Caroline Lunon. Il y a quelqu'un d'autre en ligne, teacher is English time. Hello. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Zami Pam. Faut-il descendre le volume radio là, ou bien télévision là, ou bien faut-il camper loin? Ok, ça va, merci. C'est très bien. Merci pour compréhension. Comment est-ce que vous faites? En forme, Pam. Où qu'on est nous là, oui, on a fait travail là. Je peux continuer là pour informer les Haïtiens parce que nous avons un travail à faire. Non, j'ai fait ça, non, j'ai fait ça. Parce que quand tout le monde qui perd du travail, c'est pour un gars qui perd du travail. Ça fait ça déranger, vous comprenez? Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, bon, je bénis moi, je bénis mon tout. Ok, je félicite, je m'agarde un petit peu là. Ça fait plaisir. Je ne parle pas de mon studio. Pardon? Ah, on s'est dit. On va prendre dans ça, il va. Ça ne faut pas bon mentir. Soit tu as fait ces émissions, ou tu es au moins enregistré. Même ou bien sur YouTube tout. Moi, je dis sur YouTube. Ou bien doit sur YouTube ou download émission. On va prendre tout. Vous comprenez? Eh bien, ok. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Il aller dans l'école. Ou bien deux visites là mal dans l'école là. Et bon, qui va habiter qui zone qui va attendre là ou brancher. OK, OK, très bien, ça fait plaisir. Donc et actuellement là on regarde pourquoi. OK, pourquoi y ou l'autre monde. Non, même seul. OK, ou même seul, pas de problème. Et si deux petits ou gain qui la joue comme ça. Mangan 22 ans, mangan. Yo ka vini, yo ka vini. Nou nouvelle session la k'ap commencer samedi demain hein, à 12h30. 12h30 pour 3h30 chaque samedi puis chaque vendredi et y a vini dans club 4h pour 6h après-midi ou bien matin 10h midi. Tant que demain matin avec club 10h pour midi matin ou bien après-midi 4h pour 6h. Faut tibé ce volume et télévision encore. Okay, faut tibé ce volume encore. Okay, faut tibé 4h. Il m'a université unica mais il n'est pas un jour pour lui mais ça c'est pas un jour qui a pour gagner l'école samedi et dimanche. Oh ok, il n'a université unica il pas ou pas contre s'il a bien temps non il pas pas un jour le comme si le pas gagner l'école comment. Comment? Il a choisi vendredi et samedi. Oui, oui. Ok. Vous avez choisi? Trois jours. Vendredi, samedi, dimanche. Ok. Vendredi, samedi. Vendredi, c'est pour club et puis samedi, c'est pour quoi? Quoi?
OK. OK. Donc, zami pa pa gen problème. Qui sont là? Il y a quelqu'un d'autre en ligne. Teacher is English time. Hello. Oui, bonjour. Bonjour mon cher. Bonjour, bonsoir. Salut. Mm-hmm. Vous allez bien? Pardon? Je vous demande si vous allez bien. Salut. Est-ce que... En fait, à vous entendre parler l'anglais, j'ai une envie fou de parler comme vous là. Je me demande quels sont les protestants amés, l'histoire de d'être acceptés dans votre école, quoi. Oh, malheureusement, je ne vous reçois pas bien, très bien. Ok, élevez-toi un petit peu. Mm-hmm. Vous me captez là. Hein? Si vous me captez là. Oui. Oh, oui, très bien, ça va maintenant. Mm-hmm. Ok, je vous demande de... Quels sont les processus entamés, l'histoire de faire sortir des étudiants qui fréquentent votre école? Oh, malheureusement, j'aime pas faire ça au téléphone. Ok, vous avez le numéro. Est-ce que vous avez les deux numéros? Donc, vous appelez, vous êtes toujours appelé après. Ça fait pas mal de temps que j'essaie de rentrer à l'émission, mais malheureusement, là, c'était pas... Ok, je comprends. Est-ce que vous avez l'adresse? Est-ce que vous connaissez l'adresse de l'école, de l'académie? Non. Eh bien, non, ok, c'est... on est au numéro 6 de l'avenue Martin Luther King. C'est à quelques pas du viaduc du carrefour de l'aéroport, à quelques pas. Donc, c'est tout près et à l'extérieur. C'est Academy, Holist English Academy, Holist English Academy, OEA. Donc, c'est comme je vous l'ai dit, je viens de vous le dire, c'est au numéro 6 de l'avenue Martin Luther King. C'est tout près du carrefour de l'aéroport. Ok? En tout cas, ça fait beaucoup là. Je me demande si vous pouvez m'envoyer ça par texto, s'il vous plaît. Par quoi? Par Facebook? Par texto, s'il vous plaît. Par texto, il n'y a aucun problème, mais ce n'est pas maintenant. Et tout de suite après l'émission, il n'y a aucun problème. Donc, c'est pas maintenant, c'est tout de suite après l'émission. Si vous voulez, vous me rappelez après l'émission, si vous voulez. Si vous pouvez également. Aucun problème, tout à fait. D'accord, il n'y a aucun problème. Merci, bonne continuité à vous. Merci, mon cher. Merci à vous également. Merci d'avoir appelé. Au revoir. Bonne fin de journée. Salut, Seigneur. Il y a quelqu'un d'autre en ligne, teacher this English time, hello. Oui, allô. Je suis maintenant juste un demi-bousteau, même j'ai un demoiselle en demandé. Bon ça. Parce qu'il faut que l'on est léger, il veut l'on est pas léger et tout. D'accord. Au contraire, et qui veut la bouteille demande le galon, dit-on sur le plan psychologique, et ça fait un plaisir. Pas dire besoin de l'on est léger, tout besoin de l'on est plus léger que moi. Parce que l'étudiant doit dépasser son prof. Hein? Et cela, je suis là à un moment là. Pas de problème. Je suis là, je suis quand même là, Folvo, il m'a oué à là. Ma son américain là. Pas de problème. Bon, on m'a dit non. Et parce que l'administration branchée, on m'a dit non. Il y a noté pour même Jacqueline. Non, c'est Donny Kevin. Ok, pas de problème. Mais soit fait. Avant 6 heures, est-ce qu'on a venu ou qu'on a passé? Venez réclamer, demi-bousson. Pas de problème. Non, samedi, on a passé. Pas de problème. Bon, ok. Samedi, je l'ai venu. C'est sûr que vous m'avez dit non encore. Il y a noté pour vous. Et puis, l'ai venu, on a venu réclamer. Pas de problème, demi-bousson. Oui, Donny Kevin. Ok, pas de problème, Donny. Ok. En tout cas, ça fait un plaisir. Je me souhaite vous parler plus bien passé, l'ai venu. Bon, au revoir. D'accord, mon cher. Merci pour l'appel. Au revoir. Bonne fin de journée avec Jésus. Mm-hmm. Teacher, this English time. Hello. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Ouais, moi, t'attendais une émission sur télé, mais. Mais t'as un bout. Moi, tu l'as posé. Pardon? Moi, t'as un jeune bout. Par contre, tu l'as posé. On boost? Oui. Vous ça va passer, c'est difficile. Soit aller actuellement et dans OEA ou après et m'a fait gros travail, bel travail pour me faire le plus bel pour nous. Et donc nous gain gros dépenses à faire là actuellement, qu'on est construction côté pile actuellement, vous comprenez? Donc c'est ça que fait et m'pas ca bon demi bourse. M'ca comme on fait un pile effort pour passer, il pas facile pour atteindre l'île. M'ca bon demi bourse, même pas ca bon bourse. Oh, eh bien, ok, mais... Et vous, ça facile, oui, vous, ça facile, oui. Ou quand entrez là, et puis, ou fait un bon avantage, ou fait examen. Dès que vous faites examen, et final, vous faites 100 sur 100 pour examen. Et facile pour faire 100 sur 100, parce que c'est à l'oral, même tout bon. Et comme c'est un bon examen, parce que c'est sur nous qui faisons en Haïti, un bon examen pour éviter stress, pour gérer notre stress. Dès que vous faites 100 sur 100 pour examen, et puis, à partir de ça, vous avez une gombousse à l'aise. C'est quoi, on a toujours fait. Dès que vous faites 100 sur 100, gombousse.
Eh bien d'accord, qui l'aime pas passé là? Ou mettre passé pour y aller même souvelé, sous capable, sous tout prêt. Ça vous fait moi. Pardon, quand vous faites un bon cas ou qu'a venir, on a fait ma 6 heures qui t'en oui. Je même qu'a venir qu'a bon. Pardon? La problème. Comment? Je même qu'a venir. Pardon? Qu'a venir qu'a bon. C'est semaine qu'a fini. Oh, d'accord, pas de problème, pas de problème, pas de problème. Oh, ben d'accord, mon cher. En tout cas, ou même dis non quand même. Et ou même seulement qu'a fini ou bien on pas accompagner. On pas accompagner, mais pas besoin. Ah ben OK. Soit pas accompagner ou mettre vini, ben non, dis non. Donc c'est plus bien. Pas de problème. Bon, quiconque demande reçoit ou mettre si ou venir à Zamien ou mettre venir à Zamien, m'a pas accordé au boussin et puis Zamien lui même m'a ballon demi bouss pour. D'accord, Zami Vam. Pas de problème. Émission, c'est émission pas nous. C'est pour ça que je fais. Au contraire, c'est parce que on y a une pile de dépenses qui sont faites. Mais sinon, on a fait émission, on ne va pas payer. Teacher, this English time. Hello. Oui, allô. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Oui, c'est émission, je m'abgade là en direct. Ok, c'est qui bon branché? Ben, je suis Delma, ça fait plaisir. Delma 33. Ok. Vous branchez pour quoi là ou bien vous branchez en pile monde? Moi, je branche pour quoi? Moi, même après l'émission. Vous faites brancher pour une fois brancher? C'est la première fois brancher? Bon, ça fait quelques minutes depuis que je branche. Ok. Je vais plusieurs mois, je vais demander une bourse avec bourse. Bon, et vous pour l'année moi-même. Ok. Moi, j'ai besoin d'informations sur en fait l'école là. Ok. Et bon, moi, si je suis capable, parce que moi, avec madame, moi, si je suis pas si inscrit, je suis ok. Je suis fait partie. Ok, pas de problème. Mais information sur Mme Gabo, c'est sur Réo, Mkadio, il y a une nouvelle session chaque samedi. L'a commencé samedi demain, midi 30 pour 3h30, chaque samedi. Et puis, chaque vendredi, 4h pour 6h, ou vient en pratique, ou bien en matin. Si vous avez un après-midi, ou vient en matin, 10h pour midi. Ça fait 5h de temps par semaine. Après ça, et sous Gontiba est déjà, ou Gomba est déjà. Nous parlons de niveau 2, c'est 4 niveaux nous gagnons. Nous parlons de niveau 2 qui a commencé là. Et l'autre samedi, qui chaque samedi 4h, 7h. Second petit bail déjà ou dégage déjà. Oui, moi, je dégage déjà, mais. Vous avez commencé le niveau 1. Je comprends. On va pratiquer. Oh non, si ça fait longtemps, niveau 2 a trop avancé pour vous. Au moins, tu as niveau 1 qui a commencé déjà. Pas vrai? Par exemple, nous gagnons dimanche 3h, 6h. Et lui-même, nous gagnons 4 mois, mais c'est niveau 1 lié. Donc, ça veut dire peut-être, bah, qu'on est, ou bien, samedi 9h midi qui commence en novembre. Yo même, yo, en novembre, vous commencez, yo même, yo à peine, bah, il y a 3 mois là. Bon, ok. Ma gade, moi, nan ou repam là. Parce que, moi, son policier. Ok. Je me tellement besoin de mettre anglais. Ça fait longtemps, ça me besoin de finir avec anglais, mais pour me mettre sous moi. Ma gade, moi, nan ou repam là, comment ça, après ça, moi, ma. Bon, sous ces policiers, automatiquement, ou ces policiers, ou gen demi bourse sous tout frère, ou demi bourse complète. Demi bourse, ben, ou konnen pas bay, non, parce que je suis investigateur. Non, pas de problème. Pas de problème. Bon, immédiatement, dit ça là, ou metta. Hein? Depuis, dit, non, pas de problème. Depuis, gen tant d'investigateur, alors allez, dit même bagay là. Ah, mais ok, pas un problème. Ok, vous avez l'adresse là, et vous avez entendu l'adresse là, et puis vous avez entendu, quel que soit le policier, bon. Bon, son bel travail, excusez-moi, vous avez ici. Si nous avons un policier, demi bousson, pour moi, il y a des gens qui n'ont pas de connaître, dans le moment, ça a gagné un pile de monde. C'est vrai. Un policier a attendu, on félicite, non? Non, merci un pile. C'est quel que soit le policier, depuis ce policier, il y a un demi bousson, oui. Quel que soit policier, qui raison fait ça? Raison très simple, c'est parce que policier ou qu'on est, ils fautent en pile avec étrangers. Vous comprenez? Ils fautent en pile avec étrangers, quel que soit côté. Quel que soit côté, ils fautent en pile avec étrangers. Donc nous faisons spécial pour policiers. Depuis ces policiers, demi-bourse sur tous les frais, même sur les frais d'inscription. Bah, très spécial. Ok? Donc soit bien à madame, comme madame, c'est nous faisons seul, d'après la Bible, nous faisons seul. Donc madame, tout la bien spécial là, tout sur tous les frais, même j'avoue. Ok, merci. Pas de problème. Je vais passer après-midi là. Ah, les ou qui passent là avant 6 jours, mettre passé.
OK. Pas de problème, mon cher. Nous do ça. Je suis à ma fille, vous là. Allez, allez, ça fait plaisir, mon cher. Continuez sur moi. Continuez sur moi. C'est exactement ça. On a dit chaque jour, c'est ça nous enseigner dans l'émission là. Ah, ben OK. Merci en ville. D'accord, mon cher. D'accord. Nous do ça. Bonne fin de journée avec Jésus, frère. OK, au même temps. Merci. Donc, oh, Teacherless English Time, il y a quelqu'un d'autre en ligne. Teacherless English Time, hello. Hello. Yes. Hello. Oh, font-il baisser, récepteur là, tout petit. Ou bien font-il carte de lit. S'il vous plaît. Hello. Hello. Yes, hello. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Bialine. Oui. Bialine? Oh, qui bon? Tabar. OK. Oh, ça fait plaisir. Et Tabar combien? Alors Tabar c'est la commune, mais la zone c'est Kassinti. OK, OK. Donc ou branché pourquoi là, pas vrai? Oui. On va suivre, regarde, regardez moi, vous attendez. Ma regarde. Vous regardez, ça fait plaisir. Pourquoi? Y? Oui. Et c'est première fois branché émission? Hein? Non. C'est pas première fois. Mais c'est la première fois où atteindre l'île, où réussi. Oui. OK, d'accord, ça fait plaisir. Félicitations pour votre, vous voir pas semble à créole non. Dans mon parle anglais parce que vous regardez plus semble anglais, anglais plus fait voir bien. OK. s'il vous plaît, moi c'est le bon SM bagage en demi bourse s'il vous plaît. Pardon? Pour demi bourse s'il vous plaît. En demi bourse pas de problème. Ou pas de problème, vous mettez dim non. Charles Berlin. Comment? Charles Berlin. OK. Charles Berlin, yo noté non. Ouais, c'est pas moi, mais deux mêmes. C'est pas moi qui a noté, yo noté non, ou pas gain problème ou mettre passé. Ou pas capable passer après-midi là. Avant, non, moi capable passer demain après-midi. Demain après-midi, pas gain problème. Et n'attend nous et en tout cas, et bonne réussite et me souhaiter ou parler puis bien passé, hein. D'accord. D'accord. OK, merci beaucoup. OK, merci beaucoup. D'accord, bye bye. Ça va. Merci pour l'appel là. Au revoir. Bonne fin de journée avec Jésus. Il y a quelqu'un d'autre en ligne peut-être c'est là. Attention, baissez le volume radio avant les amis Pam ou bien frère Pam, c'est Pam. Allô, bonjour. Bonsoir. Salut. Allô. Allô. Oui, bonsoir mon cher. Oui, c'est teacher ici. Oui, font-il baisser. Font-il baisser. Okay. OK, d'accord. Yeah. Ma photo du SAT. Oh, ça fait plaisir. Salut tout le monde qui branche SAT. OK, d'accord. Première fois branché, pas vrai. OK, pas de problème, amis. Pas moi mettre dit non pour quoi brancher là. Oui, m'a regardé là. OK, pas de problème. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc ou mettre passer ou pas passer là avant 6 heures, non? Aujourd'hui même? Oui. Non, et peut-être demain. Si Dieu veut. OK. Oh, mais, eh bien, y a OK, non, c'est Plymouth Herms. Comment? Plymouth. OK. Non, yo écrit parce que ouais, moi j'aime dire ouais pour passer mais alors teacher les English time et pas qu'on bluffe moun et puis ou qu'on est storm tout pas qu'on bluffe moun le pays. Donc nous pas bluffe moun mais yo écrit, yo branché, yo écrit non. Donc ou capacité camé. D'accord. Si Dieu veut, d'accord. Madame Metamel vini tout dans l'école là. Pas fait ça. Debout non madame mon, ou pas même ou fait plaisir na sponcher. Ou pas même besoin de ça, son seul nous. Ou pas comprendre. Ça dit même spécial pour là il l'a bien tout. Parce que moi mais la pile n'a pas l'anglais dans cala pour on gars capi parfait. On va besoin dimanche, encore. Nous va pas parler trop fort. Mais d'accord. Parce qu'il faut nous faire pratique. D'accord, faut nous faire pratique. OK. Qui aime des cadeaux et voilà dans le salon. Dans le salon comment tu dit moi et voir ou dit goodbye ou dit bye ou dit goodbye ou dit have a nice afternoon ou dit l'op dit bonne fin de journée ou dit have a nice afternoon. OK. Mm-hmm. I say goodbye. Yes, ou ka say goodbye ou bien bye ou bien have a nice afternoon. OK? Have a nice afternoon. OK? Là, okay. Dit bonsoir. Have a nice afternoon. Yeah, have a nice. OK, have a nice afternoon. Il suffit passer une bonne fin de journée, OK?
L'op dit bonne journée ou dit have a good day. Bonne journée, have a good day. Avant midi, à partir de midi, ou dit have a nice afternoon. Ok? Maintenant, si tu as fait noir, qu'on fait noir, pas d'abord dire ça. Ok? Qu'on fait noir, qu'on y a, t'as dit. Ok. I can say congratulations. Oh, qu'a dit congratulations. Congratulations for this work. Ok. Ou qu'a dit congratulations for, comment? Pour le travail. Félicitations pour le travail. Oh, ok. Ah, c'est pas comme en français. Et en anglais, ou pas utiliser for. C'est en français qu'a dit félicitations pour. Mais en anglais, c'est pas for. Il va traduire mot à mot. C'est congratulations on the work. All right? Congratulations on the work. Félicitations pour le travail. Ok. Congratulations on the work. Yes. Congratulations on the work. Ok. Very good. I'm happy. Ok. Good. Ok. T'as commencé en anglais. Ok. Goodbye. Ok, goodbye, sir. Bye-bye. God bless you. Ok. Donc, ça fait plaisir. Mounio et Maglian Pili, mes amis. T'es chargé. Teacher Les English Time, nouvelle session, samedi, midi 30, 3h30. Et puis, nous avons en semaine tout. Mercredi matin, 9h midi. Mercredi matin, 9h midi. Samedi, midi 30, 3h30. Il y a quelqu'un d'autre qui appelle là maintenant. Peut-être c'est là. Toute dernière personne à l'émission. Dernier monde. Teacher Les English Time. Dernier monde. Nous pas point quoi. Teacher Les English Time. Hello. Allô, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, 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 bonsoir. Salut. Mm-hmm. Vraiment félicitons pour l'émission enfin, oui. Pardon? Parce que maintenant, félicitons maintenant parce que tu es là. Regardons là. Ça fait un plaisir, ça fait un plaisir. Merci pour félicitations. Et ça pas quoi, je me fais plus, c'est fort toujours. D'accord, merci, bye-bye. Bye-bye, oh merci, c'est pour sortir les seulement. Non, oui. D'accord, ça fait un plaisir, merci, bonjour Beno pour ça. D'accord, merci. Bye-bye, bonne fin de journée avec Jésus. Ok, Teacher Les English Time touche à sa fin, malheureusement. Toute bonne chose a une fin. Donc, j'en dédie chaque samedi, midi 30, 3h30, nouvelle session. Si vous voulez commencer à zéro, mettez venir samedi prochain, midi 30, 3h30. Et puis, chaque mercredi matin, 9h midi, nous pas gagner en nouvelle session. Mercredi, sous gain temps matin, chaque mercredi matin, 9h midi. Malheureusement, je ne peux pas prendre appel encore. Appel ça, ou mettre Cyril pour mardi prochain. Je connais pas facile, mais bon, j'ai bonne possibilité pour passer encore mardi prochain. Donc, merci à tout le monde qui était branché, mission qui t'a suivi. Merci, merci, merci. Merci très spécialement à Marc Brega Anderson. Merci également à Marc Brega Anderson. Et frère Pam, conseiller Pam, affaire Pam, très reconnaissant envers Mac Brega Anderson, qui était bon micro dans Radio Caraïbes. C'est ça que fait moi-même, m'encadre en pile monde. Donc, je salue Mac Brega Anderson, qui toujours branché émission. Il y a un monde qui est très, très, très humain dans le pays. Il y a basique plus humain, mais il y a un là-dedans. Parmi eux, c'est un qui est très compréhensif. C'est un qui est très humain. Il y a Mark Brega Anderson, salut très spécialement. Et Mazura également, je salue très spécialement. Ça, c'est frère Pam, conseiller Pam de M. Saoui. Je salue nous très spécialement. Et je dédie l'émission ça à nous. Et toute reste émission à Néa, je dédie à nous-mêmes. Mazura et Mark Brega Anderson. Brega, en forme. Teacher Les English Time, point fin, malheureusement. Au revoir. Et puis, jeudi prochain, Teacher Les English Time. Goodbye. Goodbye. Have a nice afternoon in the name of the Lord. And catch you next Tuesday. That's all for now. Bye bye. Love you.